Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce 12e live. Et oui, on est déjà à 12, hein. Et voyez que je suis bien accompagnée, encore une fois, par Tristan. Et notre varan, enfin un des varans, il va pouvoir nous parler un petit peu de cette espèce. Donc aujourd'hui, on va vous combiner plusieurs choses, puisque là, on commence avec les varans, ensuite on ira voir les chiens des buissons, et on finira à la volière australienne avec nos loriquets. Ça risque d'être un peu bruyant d'ailleurs. Mais voilà, comme ça, on va vous faire une petite balade aujourd'hui, en ce jeudi de l'Ascension. Voilà, on attend quelques instants que vous soyez tous là, vous commencez tous à arriver, c'est cool. On voit que vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Ok, donc on va accueillir Mathieu. Bonjour à tous. Donc, du coup, ici, on est avec un de nos deux varans de Kuming qui sont présents au vivarium. Et donc, dans le vivarium, on a plusieurs espèces et on a donc un couple de varans de Kuming qui sont là, on l'espère, pour se reproduire assez rapidement. On pense même que cette femelle, elle est peut-être porteuse d'œufs. C'est ça. Donc on a fait une radio il n'y a pas longtemps parce qu'elle commençait à gratter. Et elle a des œufs dans le ventre, donc ils ne sont pas encore prêts à être pondus, mais elle commence déjà à chercher un site de ponte. Donc c'est un varan qui fait déjà une bonne taille, mais c'est pas un géant non plus, hein. C'est pas un komodo ou un varan d'eau comme on voit souvent quand on est en Asie. C'est à peu près la même chose que les varans d'eau qu'on voit habituellement, sauf que ça c'est une espèce qui vient des Philippines. Et qui a été séparée dans les années 2000. Donc on la reconnaît parce qu'elle a notamment beaucoup plus de jaune notamment sur la tête. Et puis c'est des varans qui sont un petit peu plus petits en taille. Donc les mâles peuvent quand même atteindre jusqu'à 1,80 m. En réalité, en général, ils sont un petit peu plus petits que ça. Et puis là, bah ça c'est une femelle. Donc c'est une femelle qui est, c'est une petite adulte. Elle est pas très très grande, mais voilà, c'est un animal qui fait un peu plus de 3 kilos là. Voilà, et c'est un vrai carnivore, donc c'est un chasseur, mais c'est aussi un charognard. Les varans, ils n'ont pas forcément une très très bonne image parce que dans la nature, sur l'histoire, on sait que quand il y avait des proliférations de varans, c'est qu'il y avait aussi notamment des proliférations de cadavres à certaines époques, et du coup, on les a associés un petit peu aux grandes maladies et ils n'ont pas forcément une très bonne image. Alors qu'en fait, c'est un peu grâce à eux que les maladies se propagent pas forcément aussi vite qu'elles pourraient, parce que justement, en mangeant les cadavres, ils limitent la proportion d'infection. Donc là, on a sorti que la femelle parce que le mâle, il est un petit peu plus timide. Donc ça a des dents, Tristan, ouais, ça a des très bonnes dents. Alors on en avait déjà parlé. On a une mauvaise image des reptiles. Avec ces animaux froids, sanguinaires, c'est pas du tout le cas. Bon, alors là, elle est pas très coopérative parce qu'elle a juste envie d'aller visiter. Là, on s'est mis en extérieur pour mieux la voir, mais elle a très envie d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. D'ailleurs, elle a pris de la bouffe parce qu'elle a envie de manger, mais elle a quand même pas envie de le faire tout de suite. Elle préférerait aller voir d'abord ce qu'il y a ailleurs, donc pour ça qu'elle allait l'embarquer. Et l'autre jour, quand on a vu les caméléons, etc., tu nous avais parlé de la langue bifide du serpent. C'est ça. Et là, on voit que même si c'est un lézard, elle a une langue avec deux pointes sur les côtés. Exactement. Alors, ça dépend des lézards. Les lézards qui sont végétariens, par exemple, ils ont une langue qui est quasiment pas bifide parce qu'ils en ont pas besoin particulièrement. On va dire qu'ils chassent les feuilles plutôt à vue. Ouais. Alors que les varans, eux, c'est des vrais carnivores. Donc, c'est des animaux qui vont vraiment avoir besoin de sentir des odeurs et qui ont une très bonne vue également. Et cette langue bifide, elle est vraiment primordiale pour leur chasse parce qu'elle leur permet de sentir où vont les proies quand elles n'arrivent pas à les voir. Et sur les côtés, on voit des trous, là. C'est ses oreilles, du coup, ça? C'est ça. C'est l'orifice qui permet d'arriver jusque à ce qu'on peut appeler vulgairement l'oreille. Chez les reptiles, c'est pas toujours ouvert, mais dans la majorité des cas, chez les lézards, ça l'est. Il y a juste quelques espèces, notamment un lézard de Bornéo qui s'appelle justement le varan sans oreille, parce que lui, il a pas ces trous-là. C'est lié au fait qu'il soit pratiquement complètement aquatique. Et du coup, il a plus ces trous-là.
Et du coup, ça nage ce varan-là. Voilà, alors on appelle ça le varan d'eau. Donc on l'appelle le varan d'eau des Philippines parce que c'est une forme particulière qui vient des Philippines. Mais c'est un animal qui vit toujours près des cours d'eau et qui va manger tout ce qu'il peut trouver. Donc ça peut être des rongeurs, des oiseaux, des poissons et puis des cadavres de tous les animaux qu'il va pouvoir trouver. Et ça grimpe bien aux arbres, ça, du coup. Et ça grimpe aussi très bien aux arbres. Alors, les jeunes grimpent plus que les adultes, parce que les jeunes, ils ont plus de prédateurs potentiels. Et du coup, pour leur échapper, ils ont plutôt tendance à monter dans les arbres. Alors qu'un gros spécimen comme ça, il a beaucoup moins de prédateurs. Et du coup, il a moins besoin de grimper. Donc, ils sont plutôt sur les bords, sur les berges des cours d'eau. Et c'est assez marrant parce que le comportement entre le mâle et les femelles est très différent. Alors, les mâles sont censés être plus sûr d'eux. Ouais. Nous, on a un mâle qui vient d'un autre parc où il a jamais été manipulé, donc il est encore un peu timide et assez craintif. Et là, c'est une femelle qui est assez, qui est vraiment très calme. Surtout dans la nature, les femelles, elles ont un territoire qui leur est propre, alors que les mâles, ils bougent énormément. Donc ils sont plus amenés à être dans un environnement qu'ils ne connaissent pas et du coup ils ont tendance à être un petit peu plus sûrs d'eux, on va dire, que les femelles. Et est-ce qu'ici on les nourrit tous les jours ou il y a des jours où ils mangent pas ? Alors il y a des jours où ils mangent pas parce que c'est des animaux qui, dans la nature, ils bougent énormément pour trouver leur nourriture. En captivité, c'est forcément moins le cas, hein, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Donc c'est des animaux qui sont sur lesquels on peut faire de l'enrichissement. On peut cacher la nourriture et ils vont la chercher. C'est également des animaux qui ont besoin de manger un petit peu moins, pas tous les jours, tout simplement parce que dans la nature, ils trouvent pas beaucoup de proies en captivité. Et si on leur en donne trop, ils ont vite tendance à être obèses. Ouais. Donc là, elle est pas obèse, hein, son ventre, c'est normal, c'est parce qu'il y a des œufs dedans. Donc voilà. Il y en a combien, tu penses ? Alors, au radio, a priori, on en avait 7, donc on verra ce que ça donne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fécondés, oui. mais voilà. Comme pour les poules, quoi. C'est ça. Okay, est-ce qu'il y a des questions, Julie ? Ouais, on me demande s'il y a du venin. Alors, ça dépend de l'époque à laquelle on parle. Avant, on parlait notamment du varan de Komodo, où on disait que sa morsure, elle n'était pas venimeuse, c'est juste que la bouche était tellement sale que ça s'infectait et que les animaux mouraient. En fait, on s'est rendu compte que les varans, ils ont des glandes à venin. Alors, c'est pas forcément un venin qui est très dangereux, notamment pour cette espèce, mais il y a des glandes à venin. Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'animaux ont des glandes, enfin beaucoup de reptiles ont des glandes à venin qui sont atrophiées et qui n'ont plus d'utilité. Par exemple, un iguane qui mange des végétaux, en fait, il a encore des glandes à venin qui sont vestigiales, on va dire. Du coup, n'ont pas d'impact quand on se fait mordre par un iguane. Par contre, ça a un intérêt qui est vraiment important pour tout ce qui est recherche, parce que ils ont encore des toxines qu'on ne connaît pas, et c'est grâce à ça qu'on découvre notamment des nouveaux médicaments. Donc, on sait par exemple que le monstre de Gila, c'est un lézard qui est venimeux. On sait qu'on utilise ces toxines qu'il a dans ses glandes à venin. C'est une arête. Créer des médicaments. On a certains serpents où on utilise on a utilisé leur venin pour créer notamment des antihypertenseurs. On sait que chez certains amphibiens, on a des molécules qui pourraient s'apparenter à de la morphine sans les effets addictifs. Donc on a vraiment un potentiel de recherche dans ce domaine-là qui est très important, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces connaissances. Et là, c'est vraiment quelque chose qui, ces dernières années, s'est énormément développé. Donc voilà, les varans, oui, ça a des glandes à venin. C'est pas pour autant que quand on se fait mordre, on va mourir tout de suite. Par contre, il y a un effet, souvent, ce qu'on remarque le plus dans les morsures de varans, merci pour mon pantalon, c'est l'effet anticoagulant qui est, on va dire, on a des plaies qui soignent beaucoup. Qui vont saigner beaucoup plus que ce que devrait saigner une coupure. D'accord. Du même type. Okay. Donc voilà, c'est une des premières choses qu'on remarque avec ces varans. On me demande combien ça peut mesurer en termes de longueur. Hein. Vous avez vu, elle se nettoie sur mon pantalon. Le museau sur le pantalon de Tristan. Voilà. Alors ça peut mesurer, les gros mâles peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m et peser plus de 10 kg.
Généralement, c'est quand même moins gros que ça. Là, on a un animal. Merci pour mon pantalon. On a un animal qui fait, qui va faire à peu près 1m20 avec la queue. Donc la queue, il faut savoir que c'est pratiquement la moitié de la longueur. Et vous voyez que la couleur là, elle est pas très belle. C'est tout simplement parce qu'elle est en train de muer. Hein. Donc quand vous venez les voir, généralement, ils sont plutôt jaune vif et noir. Là, elle est en train de muer. Puis comme elle commence à chercher des sites de ponte, en plus, elle est recouverte de terre, donc on voit pas bien sa couleur. Sa couleur d'origine. Alors on me demande quand est-ce que ça pourrait être combien de temps qu'elle se mette à pondre et la taille des œufs. Alors les œufs actuellement ils sont pas encore très bien calcifiés, ils font 6 par 3 cm. On les précis. Ouais, bah, je les ai mesurés avec l'échographe donc on sait qu'ils sont pas tout à fait au bout de leur développement mais ils sont quand même plus très loin donc normalement il y a de fortes chances qu'elles pondent avant la fin du mois. Après on verra. Si on les garde tous, parce que c'est quand même des animaux assez volumineux, il faut que ça ait un intérêt de les replacer. Encore une fois, ils seront pas forcément tous féconds. Et puis, bah voilà, il faut aussi qu'elles les pondent et qu'elles les remangent pas derrière, parce que ça peut arriver. Et donc voilà, là on voit bien les griffes de ces animaux qui sont quand même assez acérées. Hein. Alors là, j'ai pas mis de gants, tout simplement parce que avoir des gants jusque là, mais avoir un varan qui grimpe sur les bras, ça a pas tellement de sens hein, en termes d'hygiène. Donc en fait, ce qu'on fait quand on manipule ces animaux-là, c'est tout simplement qu'on se lave très bien les mains avant et après pour faire attention aux zoonoses, ces maladies qui sont transmissibles potentiellement des animaux à l'homme et inversement. Donc voilà. Après cette séance, on ira bien se laver les mains. Ok, bah ça me paraît déjà pas mal. Hein. On va continuer notre petite visite puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait voir plusieurs animaux. Donc on va pas pouvoir passer 30 minutes avec toi, Tristan. On est désolé. C'est pas grave. On va changer de continent. On va aller voir les chiens des buissons. Donc on dit merci à Tristan et on lui dit à bientôt. Merci. Et elle va pouvoir aller retrouver son copain. Voilà. Donc allez, on vous emmène par un petit chemin. On suit Mathieu. Et on va aller les coulisses du parc pour aller dans l'enclos des chiens du buisson. On vous fait passer par des endroits cachés. Hein. Donc là, les chiens des buissons, un animal qui est peu connu, qui vient d'Amérique. Amérique centrale, Amérique du Sud, hein, Mathieu ? C'est ça, c'est un animal qui va vivre dans une partie de la forêt amazonienne. Hein. Donc à Thoiry, on a pas mal d'animaux qui viennent d'Amazonie, d'Amérique du Sud. On a vu les tapirs il y a quelques séances de live. On va rencontrer la semaine prochaine les fourmiliers géants aussi qui habitent là-bas. Il y a quelques jours, on a vu les saïmiris, les singes écureuils. Donc aujourd'hui, on va rencontrer les chiens des buissons. Donc à Thoiry, depuis quelques mois, puis un an à peu près, on a des chiens des buissons qui sont juste avant la volière australienne. C'est un des premiers animaux que vous croisez quand vous venez à Thoiry. Donc là, je mets des gants et on va leur préparer un petit enrichissement. Alors pour ceux qui nous ont suivis, on avait déjà fait ce genre d'enrichissement avec les hyènes. Et là, on va faire un enrichissement pour les chiens des buissons du même type, puisqu'on va avoir un carton avec de la viande, du sang. Donc c'est un carton qu'on a récupéré suite aux livraisons qu'on a à Thoiry. Donc première chose, on enlève le plastique, les étiquettes qui pourrait être mangé par les animaux, donc ça prend un peu de temps, mais c'est important puisque le plastique ça ne se digère pas. Hein. Donc pendant que Mathieu fait ça, donc on va leur mettre dans ce carton des poils, voilà, des poils de mouton ou d'alpaga, je ne sais plus trop ce que c'est, mouton. On va leur mélanger à ça la ration du jour. La ration du jour, c'est du bœuf. Alors, c'est pas toute la ration, c'est une partie de la ration. Vous voyez, du bon bœuf. Hein. Voilà. Et avec, on a récupéré, on a fait les fonds de caisse au frigo et on a récupéré le sang. Voilà, donc Mathieu a fini avec son carton. Non, pas de litière de cochon d'Inde cette fois. C'est vrai que vous nous avez bien suivis. Hein. Effectivement, on peut utiliser ça. Mais même de la crotte hein, de rhino ou même d'éléphant. Mais là, aujourd'hui, on a utilisé du poil parce que ça garde plus d'odeur. Et voilà, il faut varier. Donc, les chiens et les buissons, c'est des petits carnivores qui vivent en Amazonie, qui vont vivre vraiment sur le parterre de l'Amazonie. Vous allez voir, c'est à peu près gros comme un teckel, je dirais. C'est comme un petit chien, quoi.
Ça fait 5-7 kilos, hein, un voilà. Chien des buissons. Alors on me dit, est-ce que les chiens des buissons, ce sont des capybaras? Pas du tout. Le chien des buissons va manger des capybaras. Des bébés capybaras. Les bébés capybaras et les agoutis qu'on a aussi, qu'on présente aussi ici à Thoiry. Donc là, c'est de là. Vous avez vu, elle est bien tendre. Elle est bien tendre, le bœuf qu'on donne aux animaux de Thoiry. On peut la découper avec les mains. On rajoute un petit peu de poils de mouton. Tac. Et on mettra du sang sur le carton. On va mettre du sang un peu dedans. Hop. Alors il y en a certains d'entre vous qui disent burk. J'avoue que pour nous c'est pas très appétissant, mais pour les animaux sauvages, et ben, ça a un intérêt. Donc on ferme le petit paquet cadeau. On recouvre, on nappe de sang. Voilà. Et c'est parti. Et on va pouvoir y aller. Ouh. Allez. Alors. Mathieu, je vais te laisser faire. Il paraît qu'il faut mettre un grand coup d'épaule dans la porte pour qu'elle s'ouvre correctement. Voilà. Allez. Je suis Mathieu Depré. Parce que là, on rentre dans l'enclos avec eux. Alors, où est-ce qu'ils sont? On arrive peut-être à l'heure de la sieste. Hein. Donc on va rester bien collé avec Julie. Faut là. Bon, je mets par là. Il faudrait peut-être les stimuler. Hein. Est-ce qu'il a été... Tu vas les chercher? Je pense qu'ils sont dedans, non? Donc Mathieu, il va aller voir. Hein. Vous savez, à l'heure qu'il est, les animaux, ils sont un peu comme nous, ils font la sieste. Alors non, pas de danger pour nous, vous inquiétez pas. Ce sont des petits carnivores qui sont pas agressifs avec les humains. Ils sont que deux, hein, ils sont en couple. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de danger. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois c'est quoi dans le carton. Donc on a mis de la laine de mouton, on a mis du sang et on a mis du bœuf. Ah, Mathieu les a trouvés. Ils arrivent. Donc je vais essayer de ne pas trop me mettre sur leur passage. Ah, ils ont un peu peur, encore une fois, parce qu'on est deux, hein, comme la dernière fois avec les Saïmeri. Pas trop chaud avec les masques, si, je vous avoue que c'est compliqué, mais bon. Allez, je vais me mettre là, je vais pas bouger. Je vais parler un peu moins fort et on va faire preuve de patience. On va être patient et on va voir s'ils viennent. Donc Mathieu est sorti de l'enclos parce que du coup ils étaient un peu stressés de nous voir tous les deux dans l'enclos. Hein. Les animaux ils n'ont pas l'habitude de voir deux personnes à la fois dans les enclos. Souvent quand on vient à deux c'est qu'éventuellement on veut les capturer pour des soins vétérinaires. Donc forcément ils ont tendance à se méfier un petit peu. Donc il faut vraiment, des fois... prendre le temps et surtout penser toujours que l'animal, si on lui change ses habitudes, il va se questionner quand même sur le pourquoi du comment. Alors le truc c'est que je suis pas sûre qu'ils aient vu qu'on ait mis quelque chose au sol. Alors je vais peut-être changer de place et aller peut-être un peu plus là-bas. Ah, ils sont là-bas. Alors, on va attendre. Ils sont dans le fond. Je vais leur montrer qu'on leur a amené un truc. C'est du live, hein. Donc on fait comme on peut. Ils se demandent un petit peu qu'est-ce que je fais là. Allez les loulous! Excusez-moi hein, si ça bouge un petit peu. Alors, je vais m'écarter. Je vous ai dit, hein, à chaque fois je vous le redis dans tous les lives, avec les animaux, il faut être patient. C'est pas à la minute, c'est pas instantané. Il faut parfois attendre, savoir se faire discret et voir si les animaux ont envie de venir. Encore une fois, ça pourrait arriver hein, pendant un de nos directs que les animaux ils viennent tout simplement pas.
Parce que c'est comme ça. C'est des animaux sauvages. On va les obliger. Moi, je les vois là-bas. Hein. Ils reniflent au loin, ils se questionnent un peu. Je vais même encore plus m'écarter. Voilà, je vais leur laisser vraiment du mou. Mathieu, tu les vois? En fait, c'est... l'enrichissement, c'est moi, je vous avoue. Parce que là, ils sont en train de se demander. C'est un peu bizarre, en fait. Alors, où est-ce qu'ils sont passés? Pour l'instant, vous n'avez pas encore eu l'honneur, ne serait-ce que de les apercevoir, hein, vous avez remarqué. Les joies du direct. Alors. Ils sont là-bas, les petits coquins. Ouais, ils se font désirer. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est des animaux sauvages. Et bah voilà, c'est eux qui décident. C'est leur bon vouloir. Regardez, ils sont en face là. Ils sentent les odeurs. J'ai déplacé le carton. Du coup, ils sentent là où on l'avait posé le premier coup. Donc là, ils cherchent. Il y a Mathieu là-bas, vous voyez, de l'autre côté, qui observe lui aussi. Je me demande si c'est pas moi qui cherche, hein, parce que là, ils m'ont pas vu. Je vois une dame qui me dit c'est quoi comme live. Bah, en fait vous êtes sur le zoo safari de Thoiry, donc vous êtes sur le live du zoo safari de Thoiry et on a un live aujourd'hui sur les animaux comme le varan, les chiens des buissons et ensuite la volière australienne avec les loriquets. Effectivement, chiens des buissons et chiens de prairie, ça n'a rien à voir. Les chiens de prairie sont vraiment tout petits. Alors que les chiens des buissons, c'est quand même un animal plus gros. Attendez, hein, on va redéplacer notre carton. Et je pense que je vais sortir de l'enclos. On va le mettre ici. Et je vais sortir. Attendez, je vais donner la caméra à Mathieu. Ce seront les plus patients qui seront récompensés. Hein. Je reprends la caméra. Donc là, on attend les chiens des buissons. Donc on leur a fait un petit carton. Et ils vont arriver dans quelques instants. Normalement, ils viennent de passer devant moi là. Ils arrivent. Voilà. Ils arrivent. Donc c'est les animaux qui marquent pas mal leur territoire avec des odeurs aussi. Depuis tout à l'heure, ils frottent un petit peu partout. Il y a une particularité chez cet animal là, c'est que les mâles, lorsqu'ils vont marquer leur territoire, un peu comme chez les chiens, bah, ils vont uriner sur les troncs d'arbres, des choses comme ça. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reculer avec les pattes arrière le long du tronc. Donc ils vont se retrouver la tête en bas. Et ils vont uriner comme ça.
S'ils font trop leur timide, on va peut-être aller voir les loriquets, puis on reviendra. Alors non, les enrichissements ne sont pas toujours aux mêmes heures, et même il ne faut pas qu'ils soient aux mêmes heures. C'est exactement comme vous, si tous les jours vous avez exactement la même routine, et ben c'est plus quelque chose de sympathique, quoi. Donc à chaque fois, on change les habitudes de temps en temps, les week-ends, vous voyez votre famille, de temps en temps vous allez visiter un zoo par exemple. Et bien voilà, là c'est pareil. Alors on me dit ça ressemble à des furets. Donc c'est des animaux qui sont de la famille des canidés. Donc leur plus proche cousin, ça va être les loups, les chiens. Ils sont en train d'arriver par là-bas. Vous les voyez là, ça y est. Et voilà. Mais bon, le carton ne semble pas les intéresser aujourd'hui. Ils passent à côté, ils sentent des odeurs quand même. Hein. Voilà, là il a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose. Donc c'est nouveau pour eux, hein, cet enrichissement avec un carton. Parfois les soignants leur mettent aussi de la nourriture dans des genres de grosses balles. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans un enrichissement, hein, c'est que... Bah, ils passent du temps à se demander ce que c'est, à sentir, à... Puis dès qu'ils vont trouver, quand ils vont se rendre compte qu'il y a la nourriture dedans. Alors on me dit la plupart du temps, comment faites-vous de l'enrichissement? Alors ça peut être de nombreuses manières, ça peut être simplement en mettant des odeurs d'autres animaux dans la cage des prédateurs par exemple. Par exemple, on a des juments de trait qui la nuit vont aller brouter l'herbe dans les enclos des lions par exemple, alors que pendant que les lions sont dans leur maison, ça c'est un enrichissement. On peut parfois aussi cacher la nourriture, ça c'est un autre enrichissement. Parfois on va aussi mettre de la nourriture un peu dans les arbres pour les prédateurs, etc., pour les singes, etc. Ça peut être ça, ce genre d'enrichissement. Vous pouvez le faire chez vous aussi avec votre chat, hein, en cachant des croquettes à droite à gauche, des choses comme ça. Donc là, je vais me taire un petit peu parce que ils approchent. Vous allez bien les voir. Alors il y a des gens qui posent des questions sur les varans de Komodo, qui c'est vrai à l'époque étaient dans cet enclos-là. Alors non, nos varans en fait sont décédés il y a quelques années. Ils sont pas partis dans un autre zoo. Bon bah ça a pas l'air d'être un franc succès notre enrichissement du jour. Enfin c'en est un, hein, puisque ils passent du temps à chercher, à comprendre, etc. C'est ça le but de l'enrichissement. Mais le côté spectaculaire entre guillemets n'a pas eu lieu. En tout cas tout de suite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la volière australienne. On va aller nourrir les loriquets et on fera un passage ici voir si notre carton a bougé. Parce que c'est probable hein, qu'ils viennent s'y intéresser quand on sera parti. Donc on va pas vous faire attendre trop longtemps quand même. Et on va aller en Australie. Donc on a commencé en Asie. On a fait un petit tour par l'Amérique du Sud.
Et puis là, on va en Australie, dans la volière australienne, qui a été conçue il y a quelques années à Toary. L'endroit où l'été, vous pouvez venir rencontrer et nourrir les loriquets pendant les goûters. Donc les loriquets, ce sont des petits perroquets australiens qu'on trouve dans une grande partie de l'Australie, qui sont parfois même considérés dans certaines zones d'Australie comme un peu invasifs, hein, puisqu'ils se nourrissent beaucoup dans les vergers notamment. Donc ils sont quand même un peu plus colorés que nos pigeons. Donc on va les attirer avec un petit peu de nectar, puisque ce sont des oiseaux qui vont être frugivores et nectarivores. Donc dans cette volière, il n'y a pas que des loriquets, on a aussi des petits échassiers ici qui s'appellent des vanosoldats, dont un de ces individus est né l'année dernière au zoo. Donc les parents ont niché, ont couvé dans cette volière. Et puis on a aussi des grands éclectus qui doivent être dans la maison, je pense là. Et donc les loriquets, Julie, elle a un peu de nectar. Alors ce nectar, il est préparé spécialement pour les loriquets, c'est pas du jus de fruits. C'est un nectar à base de fruits, de fleurs, qui a un petit goût acidulé, c'est pas très sucré. Et les loriquets, ils vont adorer cela. Alors là, ils font un peu leur timide, hein, parce que voilà, ça fait plusieurs semaines qu'ils n'ont pas vu de visiteurs à Toary, mais je pense que dès qu'ils vont goûter le nectar, ça va revenir comme avant. Donc ces loriquets, ce sont des oiseaux qui ont une petite langue assez particulière. Sur cette langue, il y a une sorte de petits poils qui vont leur permettre de lécher le liquide et le faire remonter facilement dans leur bouche, dans leur bec. Donc ici, Julie, ça y est, elle en a sur les mains. Donc ces petits loriquets font partie de la famille des perroquets. Donc on reconnaît bien ces animaux-là avec le bec crochu, cette tête un petit peu arrondie. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, parce que les loriquets font du bruit. Hein. Ils ont un œil qui est assez coloré aussi, hein, donc on voit tout ce plumage qui est très coloré, ils se ressemblent tous. Alors il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles chez cette espèce-là. Donc on les appelle aussi loriquet arc-en-ciel, donc j'imagine que vous comprenez pourquoi. Donc ils se chamaillent un petit peu, ils ont leur petit caractère. Et c'est des oiseaux qui vont vivre plutôt en couple. Alors peut-être que certains à la maison, vous avez des perruches, des perroquets. Alors le mieux, c'est de les avoir en couple, puisque c'est des animaux qui vivent de cette manière-là dans la nature. Donc les loriquets vont pas vivre simplement en couple, ils vont vivre au sein de couples, dans de très très grandes bandes, qui parfois sont composées de plusieurs centaines d'oiseaux. Et ces grosses centaines d'oiseaux vont se déplacer en Australie, faire beaucoup de bruit. Donc là, ça fait déjà pas mal de bruit. Imaginez, vous êtes sur votre dans votre jardin, il y a 500 loriquets comme ça qui arrivent. Ça peut être impressionnant. Donc nous, à Toary, on les nourrit pas uniquement de nectar, on va les nourrir aussi beaucoup de fruits. Donc ils ont accès à des fruits toute la journée. C'est important qu'ils se nourrissent tout au long de la journée. Alors, on me pose la question, s'arrachent-ils les plumes entre eux ? Alors non, ils ne s'arrachent pas les plumes entre eux. Ils peuvent se chamailler de temps en temps, mais pas au point de s'arracher les plumes. Alors, vous avez peut-être vu, ils ont des petits bracelets aux pattes, qu'on appelle des bagues. Donc les bagues, ça va permettre de reconnaître les animaux. Alors peut-être que vous l'avez entendu dans plusieurs lives,
on va mettre des puces électroniques chez nos animaux. Et pour les oiseaux, on va parfois mettre des puces électroniques, mais la plupart du temps, on va mettre des bagues qui vont garder toute leur vie. Donc elle n'est pas très serrée, hein, mais ils vont la garder toute leur vie. Donc ce qui permet de d'identifier cet animal comme vivant à Thoiry. Alors on en a une quarantaine de loriquets à Thoiry. Alors est-il facile de les élever? Alors oui, c'est des animaux qui sont assez faciles, hein, parce qu'ils se nourrissent, enfin ils vivent en grande bande, ils se nourrissent de choses assez simples, c'est-à-dire de fruits et de ce nectar. Après, c'est des animaux qui vivent en grande bande. Donc autant à la maison, c'est un animal qui légalement on a le droit de l'adopter. Je personnellement, je vous le conseillerais pas, puisque voilà, il faut avoir une très grande volière. Là, je vais vous montrer la volière ici qu'on a à Thoiry. Elle est très très grande, assez haute, ce qui leur permet de voler tous ensemble en grande bande. Et donc à la maison, de les avoir dans une petite cage, c'est un peu triste quand même. Alors on a autant de mâles que de femelles. Donc vous avez vu, quand Julie s'en va, ils retiennent la gamelle. Donc ce qu'ils boivent, c'est du nectar qui est spécialement donné pour eux. Alors si vous venez visiter Thoiry, on espère qu'en juin vous pourrez venir visiter la volière australienne. Même si là on les nourrit à la main, etc., on vous demandera bien sûr de ne pas les nourrir, et c'est bon pour tous les animaux du parc. Parce que bah voilà, dans les poches, souvent quand on visite un zoo, on a un petit peu des gâteaux, du pain, des morceaux de sandwich. Et puis eux, ils sont curieux, et c'est vrai qu'un morceau de pain, bah ils pourraient être curieux de venir le manger. Seulement, bah, ils n'en mangent pas normalement, donc ça pourrait les rendre malades. C'est des animaux dont on doit respecter un vrai régime alimentaire. Alors, ils peuvent voler, hein. On me dit pas trop triste de pas pouvoir voler. Ils peuvent voler, hein. Là, je les filme de près, mais ils sont juste vers nous pour manger. Mais voilà, vous en avez qui arrivent en volant. La volière, elle fait à peu près 6 mètres de haut. Donc, ils ont largement de quoi voler, c'est 25 mètres de long. Alors, ils se nourrissent de fruits toute la journée. Dans les loges, il y a des oranges, des pommes, de l'ananas. Ils peuvent se nourrir de pas mal de choses. Alors, comment ils font pour se tenir sur le grillage? Ils vont utiliser leurs petites pattes avec des griffes. Donc, vous avez vu, il y a des griffes vers l'avant et des griffes vers l'arrière. Ce qui va leur permettre de faire comme une pince. Ils vont avoir deux griffes vers l'avant, les deux, ils ont quatre doigts à chaque patte. Les deux doigts du milieu vont vers l'avant et les deux doigts externes vont vers l'arrière, ce qui leur permet de s'accrocher. Alors les perroquets, c'est des animaux qui vivent en règle générale assez longtemps. Par exemple, les plus grands perroquets, vous en avez qui vivent jusqu'à 60, voire 80 ans. Les loriquets, ça va vivre une trentaine d'années, voire un peu plus, mais voilà. Donc, c'est des animaux, quand on les adopte, bah, c'est un engagement sur toute la vie, voire peut-être même plus loin que sa propre vie. On a des gens qui sont obligés de léguer leurs perroquets à leurs enfants pour qu'ils s'en occupent. Donc, voilà. Faut faire attention quand on adopte ce genre d'animal. Alors on me dit, l'année dernière, j'en avais photographié un tout vert. Alors non, là dans la volière, on a aussi des grands éclectus qui sont tout verts pour les mâles et rouges et bleus pour les femelles. Mais là, ils sont dans les loges, donc on va pas aller les déranger. Je propose qu'on aille... On va retourner voir si les chiens des buissons se sont intéressés à notre...
un autre carton. Vous avez peut-être vu là dans la volière, il y a aussi une petite rivière parce que les loriquets, ils adorent aller se baigner. L'été aussi, quand il fait vraiment très très chaud, on pulvérise de l'eau, ce qui nous permet de les rafraîchir. Donc là, on passe les sas de sortie. Je fais juste un petit coup d'œil à gauche là pour voir l'enclos australien dans lequel on va avoir les kangourous et les wallabies. Vous allez voir quand vous reviendrez au parc, on a énormément de bébés wallabies qui sont nés cette année. Là, on a Fanny, la soigneuse, qui est venue voir si l'enrichissement avait fonctionné, mais ils n'ont pas l'air d'avoir touché. Ils sont là, hein, ils sont autour. Ils sont juste là, regardez. Hop. Pourtant, il y a de la viande dedans. Hein. Regarde, Elodie qui nous dit merci à tous les deux pour ces lives, Julie. Merci à vous d'être là et de nous suivre depuis le début. Donc, il en reste quelques-uns de live. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Le prochain live, c'est mardi. Le prochain live, ça va être avec d'autres animaux d'Amérique du Sud, qui sont les fourmiliers géants, qu'on appelle aussi tamanoirs. Et puis jeudi, Julie, on a un live un peu particulier, non? Jeudi prochain, on aura un live au Makikata. C'est notre premier live, c'était passé là-bas. Et on va le finir, le dernier là-bas. On va vous montrer les bébés, parce que quand on a commencé, les bébés avaient à peu près... quelques semaines, 2-3 semaines. Aujourd'hui, ils ont 2 mois. Vous imaginez qu'ils ont bien grandi. Donc, on va vous montrer ces bébés Makikata qui ont bien poussé. Et on vous fera un quiz sur l'intégralité des lives qu'on a fait. Donc, il y en aura eu 14 en tout. Et on vous posera des questions. Et si vous répondez juste, vous pouvez gagner des entrées gratuites pour venir au zoo dès sa réouverture. Donc, on vous attend nombreux. Et n'hésitez pas à regarder les replays pour avoir les bonnes réponses, parce que je ne vais pas poser des questions faciles. Hein. Pour terminer, je vais juste dire un petit mot à ceux qui me posaient la question, est-ce que le zoo est ouvert? Donc la partie zoo à pied reste fermée jusqu'à nouvel ordre, on vous tiendra informé de la réouverture dès qu'on en saura un petit peu plus. La partie safari, donc qui se visite en voiture, est ouverte cette semaine, en tout cas encore demain, samedi et dimanche, donc vendredi, samedi et dimanche. Seulement, vérifiez bien la disponibilité des places sur internet et on vous demande d'acheter vos places en avance sur internet, ce qui limitera les files d'attente et ce qui nous limitera de vous demander de rentrer chez vous quand vous arrivez au parc, dans le cas où le parc serait complet. Aujourd'hui par exemple, le safari est complet, donc on ne vend plus de billets sur place. Donc avant de venir, vérifiez bien sur le site internet. En tout cas, bonne fin de journée à tous avec ce beau soleil, et on espère vous voir très très vite. À toi, merci beaucoup.